Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation navale et militaire pour des drones principalement. Aymeric de Torcy, responsable marketing drone de chez Naval Group, présente la Drone Box destinée à la récupération des petits drones VTOL sur un navire en mouvement. Lors de la 6e édition des Naval Innovation Days, en octobre, en région parisienne, Naval Group a montré à ses partenaires et clients français quelques-unes de ses innovations au cours de développement. Sur les 5 projets présentés à la presse, 4 concernent des drones. Les drones ont une place assurée à bord des navires de combat de demain et même aujourd'hui, mais comment rendre ces engins plus autonomes et leur mise en œuvre plus simple et fluide? C'est la question à laquelle répondent les deux innovations présenté ce jeudi 5 octobre au Naval Innovation Days de Naval Group à Meudon dans les Hauts-de-Seine. La première s'appelle ADC, comme autonomie décisionnelle contrôlée. Son objectif, un seul cerveau pour tous les drones. Nous voulons des systèmes qui gèrent eux-mêmes leur mission à partir d'objectifs de haut niveau qui leur sont assignés, explique Raphaël Goletto, chef de projet chez Naval Group. Par exemple, patrouiller une zone définie géographiquement à la recherche d'un navire, d'une mine, d'une épave. L'enjeu de l'intégration physique. Il ne s'agit pas seulement de créer un drone doté d'une telle capacité décisionnelle, poursuit Raphaël Goletto, mais de parvenir à une architecture adaptable à tous les drones, pour tous les types de missions et de milieux. Un travail déjà bien avancé, assure Frédéric Vignal, directeur de l'innovation chez Naval Group, puisqu'il est en phase de développement sur 3 plateformes expérimentales de l'entreprise, le drone sous-marin de taille moyenne, MUV D2I, le démonstrateur de drone océanique XLUUV DDOD, et le navire autonome de surface USV Stern-Doux. L'autre enjeu et celui de l'intégration physique, c'est-à-dire le lancement, la récupération, le stockage, le rechargement des batteries et l'entretien des drones. Connu pour travailler depuis plusieurs années sur le LARS, Launch and Recovery System, pour la mise à l'eau des drones de surface et sous-marins, Naval Group a présenté à Meudon des systèmes inédits pour les drones aériens. L'un d'entre eux est une plateforme mobile sur 2 axes, capable de rester horizontale quels que soient les mouvements du navire, dans certaines limites toutefois. Conçu pour simplifier l'atterrissage des petits drones VTOL à atterrissage et décollage verticaux, elle peut éviter à la casse sur ces engins au pilotage délicat qui n'ont pas été prévus pour atterrir sur un bateau qui remue. Qui dit drone dit lutte contre les drones. Autre innovation originale, le Swarm Drone Box, appelé en français la ruche, car elle permet de stocker et lancer des essaims de petits drones, explique Aymeric Moulard de Torcy, responsable marketing drone et cyber chez Naval Group. La ruche a été développée en partenariat avec Icarus Drone Swarm dans une démarche de co-innovation que l'on retrouve dans la plupart de ses projets, indique pour sa part Frédéric Vignal. Des projets qui sont aussi défensifs, Car qui dit drone dit aussi lutte contre les drones. Dans ce domaine, le champion français de la construction navale militaire ne veut pas être en reste. Notre lanceur modulaire polyvalent LMP peut mettre à feu des munitions spécialisées comme des roquettes anti-drones de Thales, affirme Arnaud Thomas, responsable stratégie et développement chez Naval Group. Le système dont le développement doit être terminé sous 2 ans, vise à sortir de la logique du lanceur associé à un unique type d'arme. Le LMP pourra en effet tirer également des missiles d'autodéfense type Mistral, des grenades anti-sous-marines, voire des leurres. Il est léger, 3 tonnes, et peut trouver sa place sur des corvettes ou des patrouilleurs. Ça tombe bien, Naval Group en a à son catalogue. Cet article est paru donc le 19 octobre dans le mensuel de la société Le Marin et en version papier, dont le dossier est consacré au territoire ultramarin, qui est retrouvé en kiosque, en version numérique ou dans la boutique en ligne du Marin. Aymeric de Torcy, responsable marketing drone de chez Naval Group, donc présente sur la photo la drone box destinée à la récupération des petits drones VTOL
sur un navire en mouvement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.